La mer, la plage, le sable fin et le camping. Un camping où les habitués prennent dès les premiers rayons de soleil leur quartier d'été. Attention, tout tombe. Quel foutoir! On commence à être roulé, là. Et bon, on a bientôt divorcé, il y a le haut vent qui arrive. Hein? On divorce à peu près une journée entière. Si tu tires les draps vers toi, ça va pas aller. Hein. Ouais, mais... Laisse-moi. Va au bout, toi, et tu tends, et je vais tendre d'un côté. Voilà, il m'a tiré les draps vers lui. Alors, Abidi, alors, ça va? Ouais. La forme. T'as encore grandi, toi? Ah bah, dis, depuis... Alors, c'est moi qui rétrécis. Depuis l'année dernière, oui. Ah non, c'est vrai qu'on s'est vu cette année déjà. Bah oui, on s'est vu au mois de mars. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va, ça va. Oh, ils y arrivent, hein. Ils y arrivent, hein. Eh, poussez, les gars, poussez, poussez. Allez, attention, elle va descendre. Il y a la voiture derrière. Ah, ça y est, ils y arrivent. Oh, ils n'y arrivent plus, c'est bloqué. Quand on a trouvé un camping comme ça, face à la mer, on n'a pas envie d'aller ailleurs. Hein. Ouais. Pendant une époque, on voulait, on aurait acheté. On voulait acheter. Ouais. Et puis on s'est dit, on ne va plus avoir cette ambiance camping. Mmh. On n'a plus ce contact avec les gens. On va rester comme à la maison, télé. Alors on s'est dit, bon, on reste là, on n'achète pas. Quoi. Et tu sais ce qu'on lui a offert? Un beau bruit. Un saut en parachute. T'as vu de là, d'ici, dans les années 70, c'était bleu, les tentes, à l'époque, ils faisaient pas beaucoup de couleurs. C'était le camping des sapins, à l'époque. Nous venons au camping depuis le 1er septembre 1961. Je pense qu'on était pratiquement les seuls à être là cette année-là. C'était bien, c'était sauvage. Et alors aujourd'hui que vos enfants sont grands, les petits-enfants sont grands, vous avez quand même toujours du autant de plaisir à venir ici? Parce que t'as des copains. Oui, on se fait des copains et copines, quoi. Et moi, je fais beaucoup de vaisselle et puis je fais des rencontres là-bas. Tu veux une serviette ou quand tu sors? Ah, les douces joies du camping, les copains que l'on retrouve, le bon air marin, l'eau un peu fraîche peut-être, les grandes vacances peuvent commencer.